Salut Spiro, heureusement que tu es là. Si tu pouvais guider ces bébés tortues en sécurité, je t'en serais très reconnaissant. Les marins ont capturé presque tous nos bébés tortues et les mettent dans des boîtes très solides. Avec une attaque de flamme plus puissante, tu pourrais les libérer. Impressionnant. Tiens, prends ce machin magique comme gage de notre gratitude éternelle. Bonjour, mon garçon. Il y a un cuistot en haut de cette échelle qui veut faire de la soupe de tortue. Tu peux grimper et l'en empêcher? Les amis tortues feront une excellente soupe si je les attrape. Essaie de les sauver si tu veux, mais je suis vraiment très affamé. Oh.
Tu as sauvé toutes les tortues de la plage. Tiens, prends ça. J'allais acheter des patates avec, mais je n'en ai plus besoin. Merci, jeune dragon. Les bébés tortues sont en sûreté ici. Oh, je t'offre ce talisman en gage de notre gratitude. Spiro, tu as vu ce mur-là? Tu as sûrement envie de savoir ce qu'il y a derrière. Et si j'avais quelques gemmes de plus, je me rappellerais peut-être comment faire pour l'abaisser. Ah oui! La beauté étincelante de ces gemmes m'a aidé à retrouver la mémoire. Bien joué, Spiro! Les orbes que tu portes ont activé le portail spécial. Tu ne trouveras pas de talisman dans le circuit marin. Mais si tu es rapide, tu gagneras plein de trésors. Amuse-toi bien. Non, mais on va voir si tu es aussi fort que le champion actuel. Spiro, je te présente le champion du coin. Pour gagner la course, tu vas devoir voler à travers tous les anneaux. Mais attention, si Chasseur passe le premier dans un anneau, ce dernier commence à rétrécir. Thank you.
Tu voles vraiment comme un as. Les types bizarres avec des bâtons électriques ont siphonné toute notre eau. On ne pourra pas la récupérer, à moins que quelqu'un active leurs interrupteurs. Salut, Spyro. Et tu dois être plus costaud que tu n'en as l'air pour être arrivé jusqu'ici. En tout cas, tu ne pourras pas passer les requins de métal. Je suppose que je pourrais te laisser emprunter mon sous-marin contre une modeste somme. C'est un plaisir de faire affaire avec toi, Spyro. Ce sous-marin est 100% à l'épreuve des requins. Garantie sur facture. Que tu gardes ce talisman des tours Aquaria en souvenir de nous.
capturé 6 de mes enfants et les ont cachés au sommet de chacune de ces tours numérotées. J'ai emprunté des explosifs pour détruire les portes des tours. Si tu arrives au sommet des 6 tours numérotées, mes enfants seront en sûreté. Réussi! Maintenant, nous pouvons nager en paix. Il paraît que tu collectionnes les orbes. Alors, en voilà un. J'essaye d'apprivoiser ma nouvelle Raymanta, mais elle refuse totalement d'obéir. Dis-moi, tu fais juste la bonne taille pour la chevaucher, non? Super! Monte sur son dos et guide-la à travers tous les anneaux de bulles qui apparaissent. Souviens-toi qu'elle est toute neuve, alors pas de rayures. Bien joué! Je suppose que je te dois quelque chose pour ça. Tiens, prends cette orbe. Je l'ai trouvée dans une de mes pantoufles. Maintenant que la Raymanta est apprivoisée, je voudrais l'entraîner à faire la course. Tu peux m'aider si tu veux. Parfait. Bonne chance. T'as vraiment du talent. J'aimerais bien avoir un partenaire comme toi. Tiens, je te donne l'orbe que j'ai trouvée dans mon autre pantoufle. Maintenant que tu as les 6 talismans, la porte va s'ouvrir. Avant d'arriver au donjon du château, Spyro, je pense que tu devrais savoir comment Ripto et ses monstres sont arrivés à Avalar. Tu vois, la semaine dernière, dans la toundra, le professeur travaillait sur une nouvelle technologie de superportail. Bon, le dernier orbe est en place. Alors voyons, il ne nous manque plus que des coordonnées. Bon, pourquoi pas 2-2-4-7-5? C'est mon anniversaire! Non, chasseur, arrête! Quoi?
Lâchez-moi, bon idiot ridicule! Pourquoi aucun de vous... Où sommes-nous? Pas de dragon. Merveilleux. Crash! Retourne faire mes valises! On emménage ici! Dites bonjour à votre nouveau roi. Professeur, fermez-le! Vite! Seigneur, seigneur, je ne vois pas le bouton. Je crois bien que j'ai cassé mes lunettes. Crash! Passe le portail, espèce d'idiot! Dis à tous tes amis de prendre les orbes et de les disperser dans Avalar. Vite! Non! Gulp! Crash! Prenez les orbes, vite! Petite créature, je vais te tuer! C'est une mauvaise nouvelle pour Avalar. Chasseur, tu aurais dû le poursuivre. Oui, je me serais bien lancé à ses trousses, mais... n'a-t-il pas mentionné le fait qu'il n'aime pas les dragons? Professeur, peut-on trouver un dragon pour nous aider? Oui, oui, probablement. Nous avons besoin d'un monde dont l'alignement convient mieux à l'interception d'une de ces créatures. Pourquoi pas, Lueur? Battre ce demeuré. Mais Gulp sera un adversaire bien plus coriace! Faites ton mieux, mon gars! Ah ah Gulp, viens tout de suite! Détruis-le! Et que ça fasse mal! Toi, toi, Gulp, sors-moi de là! Adieu, drap! Quelle mauviette! Ce ripto a causé assez de dégâts. Ces petites frasques m'ont coûté une fortune. Sans l'aide de Spyro, je serais ruiné.
Oh, si Ripto était ici, je lui dirais ma façon de penser. En fait, j'irais même beaucoup plus loin. J'ai été champion de boxe poids bantam à l'université. Je ne suis pas encore rouillé. Prends ça. Et ça. Non. Pourquoi? Toi?